Rebienvenue dans ce nouvel épisode que l'on tourne genre une semaine après, hein, tout va bien, de notre dernière pause. Et ben en tout cas, rebonjour à vous et on est parti. Hein, toujours accompagné de Favali, en tout cas il est toujours là, donc tout va bien. Hey, bonjour les amis. Vous avez vu, il est là, c'est incroyable, c'est parfait. Allons-y, let's go la bagarre! Évidemment, on commence à la guerre. Ralliement 19 mois. Ça met Purée. du temps, ouais. Ça fait beaucoup de personnalité, ça. Allez, allez donc. Tu te sens? Je me sens mal. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de faire une blague et ça n'a pas marché. Dommage. Ah oui, il y avait une blague, tout ça. Elle est où la Mille blague? 19. C'est terrible. Je suis un mauvais raconteur de blagues, c'est terrible. Où est la Non, mais blague? si je t'explique la blague, je vais être encore plus pitoyable. C'est terrible cette histoire. Terrible. Si tu veux, je peux vraiment t'expliquer, mais là, je suis désolé pour vous, les viewers, si vous avez compris, Ou pas compris? ou pour moi aussi, pour ma propre, voilà, quoi. Personnalité? Ma propre personnalité, propre amour-propre, propre estime de moi-même, tout ça, quoi. Ce genre de petites choses. Les choses. Mais en fait, je m'en fous de cette guerre. Pourquoi est-ce que je défends Oh, non, on va dire que je m'en fous pas. Allez, on est là On est pour là. rigoler. Hein. On est là, on est là. La vie, c'est fait pour ça. Non mais qu'est-ce qu'on a dit? Les placements de produits, Kyo. Il n'y a pas de Démonétisation. placement de produit, des choses. D'argent. Démonétisation. Il n'y a pas de. Mais il y a démonétisation tout de suite. Hein. Mais non, on va pas y avoir de démonétisation. Je crois. Ouais, je crois. J'aimerais tellement leur demander, oui, viewer de Kyo, que préférez-vous entre le grand empereur de la Mongolie entière toute puissant et ce petit royaume de le royaume du grand chaman Kyo? Quoi, Nani, j'ai pas compris la question. Qu'est-ce qu'il préfère entre les deux? Je sais pas, moi, je suis gros, donc j'imagine qu'il me préfère moi, évidemment. Quoi? Est-ce que Ben, je suis un gros roi. être gros, ce n'est pas une forme de puissance? Ah, bah, pourtant, plus on est gros, plus on a de l'influence. Plus on rit. C'est ça. Oh, pardon. Oh, purée. Ok, tout va bien. Je suis en train de mourir hein, de mon côté, mais c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent. Oh, must go on. Hein. Alors, notre Phoenix, vu que tu regardes la vidéo, on sait que c'est toi, on sait que tu regardes là, on te voit, on te voit. Oui, peut-être, oui, effectivement. Bonjour à toi. Et puis bonjour à vous aussi, quand même, faut pas déconner. Ouais, Bonjour à évidemment. vous, hein, amis du Gabon, de Côte d'Ivoire, de Bretagne, Oui, du Canada. le Canada. Oh, je commence à. Bah, tiens, c'est marrant, je commence à m'enrhumer alors que je viens juste de. Purée, mais par contre, une armée qui se met en marche en 200 jours, c'est quand même un peu la loose. Hein. Vraiment, là, on est en train d'attendre. Mes vassaux vont s'énerver parce qu'on fait pas de guerre. Mais non, ça Ah, marche et pas. j'ai une fille. Superbe. Bon, moi, j'ai une fille. Et au Mais moins, on non. me prouve la fidélité. J'aime bien les gens fidèles. Allez, on va renforcer ça. On va renforcer ça également, mais on va faire attention à notre prestige. Parce qu'on va en avoir besoin, mine de rien. Bon, allez, 200 jours, 178. Oh là là, attention. Dans 178 jours, je vais pouvoir avoir mon armée de levée. Ouh là là. Vraiment, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Voilà. Parfait. Hop, Débarquement! En avant, prestige. soldats! Ah, c'est un Nachos, lui aussi. Oh là là. Il pourrait accepter, et si je lui lâche un petit peu de cash.
9000 contre 700, ils n'ont aucune chance. Oh, je vais l'influencer. Tant pis pour la personne que j'influence avant. Ah, mais je peux influencer deux fois, bah parfait. Voilà, on peut arriver à 21 000, c'est bon. Et voilà, fallait juste le dire. 21 000 troupes. 21 000 troupes, c'est tout. Quoi? Oui, quoi? Pardon. Mais combien qu'il y a là? 19 000. Ouais, c'est cela, c'est cela. Oui, bah, à peu près. Défié en duel. Tu te dirais pas? Qui ça? Toi? Moi? Pourquoi? Parce que. Mais tu sais qu'un duel c'est dangereux, hein, on peut se blesser. C'est la vie. Accusé d'avoir volé. Ou sinon je peux te convertir à sorcellerie. Tiens, tu deviendras un sorcier. Ah, par contre, oui, je veux bien. Ça, ou de l'art. T'offre. Ah oui, hésite pas à me. Convertissez-moi. À me convertir à la sorcellerie. Hein. Oui, vas-y. Voilà, un petit peu de diplomatie. Purée. Eh ben, dis donc. Je suis pas prêt de venir défendre mon allié, moi. Hein. Allez, on organise un banquet. Bienvenue, mes amis, aimez-moi, s'il vous plaît. Ça va être important pour la suite. Un jour, je pourrai déclarer des guerres. Un jour, je pourrai. Ah, j'ai perdu un objet du piédestal. Oh, dommage. C'est pas grave, je l'aimais pas, de toute façon. Eh ben, dis donc. Allez, ça va être ça. Et mes idées fonctionnent bien, parfaitement. La prochaine grande guerre sainte. Oui. On la lance quand? Bah écoute, dès que l'on peut. Et mes armées sont levées, donc écoute, dès qu'elle est disponible, dès que je la vois disponible, je la lancerai. D'accord. Voilà, d'accord. Bah, l'Empire de Mongolie a pas mal avancé, hein, quand même, mine de rien. Non, jure. Oui, ça va. Elle a pris un petit peu des plumes. Un petit peu, oui. Pas qu'un petit peu, même. Bon. C'est dommage, on peut plus jurer la loyauté au Seigneur Lige. Je peux juste demander audience, c'est tout. Allez, vous pouvez le faire. Oh, purée. Sérieusement. Oh, cette guerre est longue. C'est terrible cette histoire. Hop là, Léna. En vrai, faut que je vois au niveau des mariages tribaux. Ah, et puis ma femme, ma concubine, on va aller voir. Hein. Chaque mouvement sera. Surveiller, elle a pas intérêt à me faire des enfants dans le dos. Où est mon armée? Ah voilà, parfait, je suis un sorcier. Bienvenue parmi nous. Merci. Où est mon armée? Ah, elle est là. Purée, j'avais perdu mon armée, quoi. Ah, et puis je dois bouger pour aller convertir, voilà, ici. Et je repère mon armée. Ok, non, c'est bon, il est là. Ah, écoutez, je perds 4000 hommes d'un côté. J'ai un vassal qui est devenu un clan. Ah, bien. Je peux déclarer plein de guerres. Donc
Là, ils ont pris ouais, ces deux trucs-là. Dès que je vais prendre l'objectif de guerre, ça va bien aller. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que je défende après. Tentative de meurtre. Ah bah bravo. Félicitations. Ok, la dague est nulle. Et bien sûr, une de mes vassales qui nous embête. Bon, que fais-tu, Favali, La guerre. Ah oui, tu t'étends. Bah oui, je relie l'Empire là pour l'instant. Je suis en train de relier des bouts de l'Empire Ah pour oui, m'étendre vers l'Europe, qui est l'objectif principal. t'es. Après, je compte Objectif. aussi sur toi pour lancer des grandes guerres croisades, pour prendre des royaumes, par exemple, des royaumes un peu barbares là. La Par Rusthénie, exemple, la Thessalonie, peut-être, je sais pas. La Rusthénie serait pas mal parce que c'est que plein de petits crottes qui servent à rien. Ah oui, j'avoue. Faut voir, effectivement. Voilà, je viens de tuer 2000, enfin 3000 personnes. Hein. Ouais, c'est bien ce qui s'est passé, purée. Ok, je vois, c'est un peu vénère, mais j'accepte. Bon, du coup, j'ai plus besoin d'aider mon gars. Je peux enfin déclarer des guerres de mon côté, hein. Parfait, parfait. Et mon maréchal est mort. J'ai plus l'habitude, moi, de jouer vite. Hein. Plus en vitesse 3. Bah, on joue vite, là, quand même. C'est tel, c'est ça. Je joue vraiment pas optimisé. Hein. Non, on peut pas encore. On peut pas encore, les grandes guerres saintes. Ah mince, le pape bientôt. Allez, on va déclarer la guerre. Attends, je mets la pause parce que je vais déclarer la guerre à plusieurs comtés. Ah ben, bon, bah, j'ai rien dit. 2 ans! Et ça commence à devenir affreux, l'étendue des troupes là. Mais non. 2 ans d'attente, quoi. Mais non. C'est n'importe quoi. Ils attendent un petit peu, c'est tout. Et c'est normal, ils sont loin, ils sont à la capitale, le temps qu'ils arrivent. Les canassons, Ah oui, enfin, c'est faut vrai penser qu'il à ça. faudrait peut-être que je déplace la capitale. Tu penses que c'est la capitale qui joue? Ah, ce serait pas. Je pourrais la déplacer à. Je pourrais la déplacer à Qualig, ce qui n'a absolument aucun sens, mais pourquoi pas. Et du coup, t'es toujours en train de t'étendre vers l'Inde. Bah oui, Ah oui. évidemment. Tu me demandes d'avancer vers l'Europe, moi je m'étends vers l'Inde. C'est logique. Je sais pas, t'es en train de t'étendre vers l'Inde, là, ce que je vois. Bah c'est quoi le souci? Non, c'est tout. Moi, je trouve que c'est parfaitement logique ce que je suis en train de faire. Oui, bien sûr. C'est toujours comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr. Il me semblait en fait on était en train d'envahir le monde en fait. Oui, c'est l'objectif, envers le monde. Bah voilà, donc du coup l'Inde. Après peut-être que je me trompe, mais il me semble quand même que l'Inde fait partie du monde, donc. Oui, mais bon, en priorité, c'est comme l'Europe. C'est là où il y a le plus de féodales plus puissants qui pourraient nous détruire. Bah oui, je sais bien, mais écoute, l'Inde aussi, c'est là, quoi. L'Inde, la Chine, tout ça, ça existe. Hein. Tu te rends compte? Purée, mais quand tu vois que t'as des troupes qui arriveront dans 600 jours. Ah mon Dieu, mais j'ai des terres ici. Ah, j'avais pas vu ça. Il sait même pas où il met ses armées. Il sait même pas où il range ses armées. J'ai saisi une couronne, très bien. Non, en parlant de couronne, c'est vrai que du coup, je viens de me souvenir pourquoi j'étais dans cet arbre de la diplomatie.
Parce que j'ai des projets. De grands projets pour toi, mon ami. Alors, des grands projets, pas spécialement, mais disons que j'ai des projets d'extension de mes... d'extension d'Empire qui vont massive. Passer par... par l'acquérance de certaines denrées précieuses. Niveau de certains artefacts de la cour. Continue. Bah, j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ah, ça, j'aimerais bien avoir cette couronne. Ouais, elle est bien. Ouais, j'aime bien ça. Continue. L'ingérence de la cour, les couronnes, oui. Bah oui, parce que mine de rien, les vassaux, c'est une ressource qui commence à s'épuiser chez vous. Ah bon? Bah, et mine de rien, j'ai 38 vassaux sur... non, 34 vassaux sur 48. Ça commence à faire. J'ai combien de vassaux, moi? 51 sur 66. Tu vois, même toi, ça commence à faire également. Ce seront des gros vassaux. Du coup, ici, il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas ce que je pense ici, c'est dommage. Ouais, c'est dans le Flavor Pack. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas installé le Flavor Pack, donc on n'a pas... Et non, on n'a pas installé... C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à Joyeuse. C'est quoi? Joyeuse, l'artefact, l'épée de... l'épée qui servait à couronner nos rois français. Je connais pas. Dommage. Tous les historiens qui vont arriver en disant... Oh, il connaît pas Joyeuse. Non, mais c'est quoi cette histoire? Ouais, j'aime bien cette petite épée, elle est rigolote. Mais il y a d'autres artefacts aussi qui peuvent aller dans ce sens et qui sont quand même relativement cool également. Dont un artefact en particulier que je convoite très très fort. Qui est ? Ah, qui est quelque chose que je convoite extrêmement fort. Qui est ? qui sera bientôt dans mon inventaire. Je l'espère. Tu verras une fois que je l'aurai, tout ça, ce genre de truc. Toi, t'as plus 80 avec moi maintenant. 68% de chance de se convertir. Bon, on va y aller jusqu'au bout. Ah, bah, t'es à 100 maintenant. Bon, on va tenter à 88% de chance. Ah, parfait, il est Tengriste. Enfin. Trop de duché au corps. Oh, mince. Ça... Tu n'as pas de duc de quelque chose, toi? Je suis un chasseur novice. Ah oui, tu t'es attaqué par des chefs de rébellion, toi. Mais 300 hommes. Oulala, je sais pas si tu vas réussir à... Ils sont où? Tout là-bas en plus, oh non, arrêtez avec vos trucs là. On peut même pas déposer nos troupes sans rien. Possible. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces paysans? Oh là là, c'est tellement long. Tellement fort. 300 hommes, 300 glandus. J'aurais dû déclarer la guerre à eux. Hein. À ces ânes qui traînent. Et j'ai une nouvelle fille. C'est vrai, j'ai plein de filles. C'est cool. Est-ce que la nouvelle couronne que j'ai est pas spécialement mieux? Non, bon. Allez. Oh là 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 là. Et si je souhaite lever mes troupes, alors évidemment, je peux plus le faire ici.
Mais ici, 3 mois, bon allez, en toute manière, hein. Autant y aller. Bon, au moins j'ai l'objectif, mais c'est long. Bon voilà, ils sont 2000, ça va, ils vont assiéger un peu plus vite. On va prendre tout le pays, comme ça on sera tranquille. Oh. Mais on a de l'argent, c'est ça qui est bien aussi. Voilà, partira, c'est pas grave. Hop là. Digne n'est plus mon sénéchal. Mais je crois que j'ai plus besoin de sénéchal. Par contre, je vais avoir besoin d'un médecin de la cour. Parfait. Poète de la cour. J'ai un poète. Pouah. Hop, ouais. On sort les troupes, c'est parti. La véritable poésie se trouve dans le champ de bataille. N'importe quoi. Allez, allez, 5 mois, ici 3 mois. En vrai... Il serait bête de pas venir intercepter mes 4500 troupes qui sont en train de mourir. Et ils hésitent. Hein. Ils hésitent. Oh, purée. Sérieusement. Ah, ils hésitent plus. En avant. Oui. Allez-y, venez, hein. Il n'y a pas de soucis, hein. Je vous attends. Bah du coup, let's go. Le massacre. On est tellement nombreux qu'ils n'arrivent pas à nous attaquer. Eh ben dis donc, enfin. Une conversion, non pas tout de suite, si je t'offre un peu d'argent. Ouais, 27%, bon on verra ça un peu plus tard. Ok. Non, ça je m'en fiche. Ok, voyons voir. Y a toi, aller chercher. Pour te faire encore un peu plus plaisir. J'ai juste levé mes hommes d'armes. Hein. Pas besoin de trop de trucs. Je n'avais aucune chance. Mais non. Non, je parle enfin, oui, c'est qu'une chance. Je parle à mes ennemis. Let's go. Ah, c'est pas évident de mettre de l'ordre dans l'ordre. Les territoires de l'Empire. Mais ce sera toi. Les mecs ils vont en bateau, ils essaient de tenter des trucs. Et puis on va se mettre aussi en collecter les impôts normalement. Voilà. Ok.
gagner un peu plus de thunes. Parce qu'il me semble que développer le territoire, ça sert pas spécialement à grand chose. Oui, ça, la masse d'armes à 4 de prouesse, c'est pas mal de garder. Il y a ce duché-là aussi à récupérer, mais ce duché-là se fait attaquer partout. C'était assez impressionnant. En tout cas, ça fonctionne bien, hein. Là, les négociations défensives, les conquêtes ducales. Négociations. Un bouffon de la cour, le voleur de vêtements. Hein. Mais c'est pas grave, c'est très bien. Moi, je trouve ça très rigolo. Il y a des gens qui courent sans vêtements à ma cour. Vous êtes bizarre chez vous. Hein. Ah, bah écoute, c'est des blagues. Hein. C'est les blagues du secteur. Du secteur, hein, carrément. Pause. Voilà, moi je ne juge pas. Un possible gain d'indépendance encore une fois, avec des chefferies bizarres. Oh non, c'est quoi les trucs chez toi? Qu'est-ce que t'as fait encore? Et ma femme est encore enceinte. Faudrait qu'elle arrête de devenir enceinte, ma femme. Au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu ennuyant. Hein. Conquérir le duché, envahir le royaume. Non, je suis pas encore un paragon de la vertu. Voilà. Égologue en même temps. C'est parti. Ah, besoin de pause. Oui. Ah ouais, vraiment, pourquoi? Parce que. Ah ouais. Eh ben. Que des duchés pour le moment. Commander un artefact, je veux une arme, je veux une meilleure arme que ça. Tiens, et un vassal. Être... Ça c'est moi. C'est moi ça. Oui. Ça je peux pas encore. Ça je l'ai créé. Ça je l'ai pas encore créé, j'ai pas assez de comté. Ok, donc pour le moment, en fait, eux, ce sont je suis leur seigneur liege, mais pour le moment, la vassalité, ils veulent pas. Ah, mais ils sont tout là-haut, en fait. C'est marrant, ça. Ça va du coup? Ça va d'être un peu mieux. Ouais. Voilà, plus de garde d'indépendance pour l'instant. Accepte la demande que je te fais. Nice. Transfert un vassal, ok. Il est très sympa, tu verras, il est très gentil. Ouais, il arrive directement à moins 69 avec moi. J'ai compris, je vais garder un œil sur lui. Il est très sympa, il est vraiment très gentil, tu verras. Ouais, je vais garder un œil sur lui si ça te dérange pas. Il est très sympa, il est très gentil. Ouais, il paraît. Je me méfie des gens sympas dans ce monde. Dans ce métier. Des fois, il faut être. Il faut savoir faire attention. Je ne vois pas de que tu parles. Il est vraiment très sympa et très gentil. Ouais, c'est ça. C'est quoi ce négatif là? Bah il est à moins 70 avec moi, donc avec un peu d'argent, ça adoucirait un peu les mœurs. Pour le moment, je vais pas m'en occuper. J'ai d'autres chats à fouetter. Bah mon vassal, à la limite, c'est pas trop grave. Donc ça me va, en fait. Il
très sympa et très gentil. Oui, bah oui, je me doute bien. Je continue? Non, ça va, je te remercie. Donc lui, à la limite, c'est pas grave, tout va bien. Par contre, bah du coup, je peux essayer de l'influencer un peu, du coup. J'ai mon garde du corps qui est mort. Ça veut tout dire, ça. Rien dire. Faut que je rembauche des gardes du corps. Ah, ils sont tous des forts au niveau 5. Ça prend du temps. Les forts au niveau 5. Je sais pas si t'as ça aussi en Chine ou. Voilà. Musicien de la cour, champion personnel. Parfait. Oh purée, mais ils sont embêtants Et j'ai besoin d'un goûteur. Où est mon goûteur? Non, c'est bon, je crois que j'ai déjà un goûteur. Et je n'ai plus d'antiquaire. Mais arrêtez de mourir, les gars. Où est passé mon goûteur? Monseigneur, voici votre goûteur royal. Ben, c'est ce qu'il faut. Hop là. Let's go, on va aller les terminer, eux. Et on a découvert les registres. Ah bah bravo, hein. Ça se voit que tu te concentres pas sur les trucs les plus optimisés. Optimiser, mais il y a quoi d'optimiser? Il n'y a rien. C'est un plan de cité, ça te Voilà. va? Ok. Il n'y a tellement plus rien à faire. Waouh. Tu Ça, c'est optimises pas quoi? mal, ça. Il n'y a rien d'optimisé dans ce monde. On reste tribal, on reste tribal. Hop là. Inviter des chevaliers. Mon Dieu, mais c'est trop. C'est trop. Trop Trop de choses pour à gérer. Kyo est débordé, mais comment est-ce possible? Et moi, j'ai l'habitude de jouer en prenant mon temps, en Une racontant histoire. absolument tout ce que je fais. On raconte une histoire. Bah oui. Il était une fois. Mais du coup, maintenant, c'est plus possible, c'est terrible. Voilà. J'ai ce truc-là qui sert plus à rien. Je vais pouvoir mettre. Ah, purée, j'avais un truc de Bouddha également qui traînait. Un truc de Bouddha. Sympa. Mauvais recensement, j'ai des conseillers qui meurent. Et je gère ça en 2-3 mouvements, ce qui n'est pas l'idéal. Les L'épée. abbassides, si t'as envie, tu peux les attaquer, les abbassides, hein. C'est le meilleur moment. Oui, bah oui, évidemment, je vais me coller les abbassides en plus Mesdames, dans ils un ont 3000 giron. hommes. Bah oui, je veux bien, mais j'ai pas les moyens de bien les attaquer, tu vois. Mais bientôt, bientôt. Ils ont 3000 hommes. Bah oui, j'entends, mais moi je suis en pleine guerre là. Voilà, c'est cela. C'est ma femme ça. Oui, c'est ma femme, ok. C'est Parfait. ton cousin. Devenir âme sœur avec ma femme, je prends. Ok, la revigoration. Faut que j'accorde ça à un noble de ma culture. Voilà. Je dois renseigner des gens. Bon, fais-moi voir tes abbassides là. Ah ouais, Ils mais sont en c'est loin. explosion. Et ils ont 5000 hommes. C'est vrai, je te donne un terrain à côté pour que t'attaques. Oui, je veux bien les attaquer, hein. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ils Faut sont juste que je affaiblis. termine mon pèlerinage. Pour que ça vaille le coup. Non, ça va valoir le coup, tu verras. Ne t'en fais pas. Après. Là. Mon objectif là c'est d'arriver le plus vite possible en Europe. On avance. Bah, j'attends ton territoire. Ah tu veux que je te passe un territoire? Bah, tu m'as dit que t'allais me passer un territoire. Tiens.
Et ça, merci. Ah purée, je suis toujours pas passé par Agon de la Vertu. Oh, Malgré le sérieusement. territoire. Bah malgré le pèlerinage, ouais. Pourtant, t'es un peu le dieu vivant dans la religion des steppes. C'est ça. Mais même moi, j'ai besoin de... Ah purée. Par contre, les influençages, là, ça se passe pas très très bien. Ah! Si, ça y est, je suis paragon de la vertu. Parfait, grâce à un artefact. Bon, parfait, attention. Je mets la pause. 2 secondes. Le temps de gérer un petit peu. Fonder un ordre sacré. Je peux fonder un ordre sacré, Et sérieusement. non, vraiment, alors qu'on n'est même pas féodal. Alors qu'on n'est même pas féodal. Bah écoute, oui. Bah oui. Voilà, on fait ça. Trop bien. Et puis, Les bah, seigneurs c'est du ciel. parfait. Les seigneurs du ciel. C'est beau. Parfait. J'adore ce nom. Oh, par contre, va falloir attendre 2 ans pour que je puisse, prendre des terres. Hein. Mais non, t'inquiète pas. Je te donnerai des terres. Non, mais 3 ans pour que mon armée se lève. Cet empire Tongrist. On a combien de comtés convertis? On a 407. On aura presque plus de comtés convertis que de catholiques. Parfait, parfait. Bon, ça va, j'ai 7000 hommes. Je vais aller commencer à prendre les territoires. Moi, je n'ai rien à faire de la lassitude ou de l'attrition qui se prennent là, les soldats. Il y en a tellement, à tellement grand nombre, que dans tous les cas, ça ne change rien. Ah, quand même, parce que des fois tu peux te prendre des dégâts plutôt vénères à ce niveau-là, quoi. Mais non, c'est rien, regarde-moi ça. L'ordre sacré s'agrandit. En plus. Bah en fait, vu que j'ai réussi à avoir un comté féodal, bah en fait, du coup, ils peuvent avoir des endroits où aller, en fait. Et du coup, c'est grâce à ça, à mon avis, que j'ai réussi à avoir ce qu'il faut pour ça, quoi. Ah, on a changé d'empereur. Enfin, d'empereur abbasside. Soldats, Marrant, c'est que du repli. coup, je peux pas construire à l'intérieur de ces bâtiments. À Gumei. Et à Serétang. Je vais pas promouvoir la culture parce que sinon je vais pas pouvoir continuer, mais. Ah bah voilà, une épée à 7 de prouesse, enfin. C'est pas trop tôt. Je veux simplement une visite royale. Allez, vas-y, bisous. Merci, merci. Bienvenue à toi, grand chaman. Je suis fier de t'accueillir dans mon humble demeure. Oui, allez, vas-y. Je te donne de l'argent, je m'en fiche. J'espère que tu es assis à ta guise. Oui, ça va. Et j'ai une armure magnifique purée. Oh là 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 là. C'était quoi que tu voulais dire par rapport au duel tout à l'heure? Le Viens, hein, y a pas de soucis. duel! Moi, ça va, les duels, je gère en soi. Non, je. Non, non, c'était rien, ça. Ouais, je C'était une vois. blague. Ouais.
Oh, elle est Je belle. veux une belle broche, une statue à mon effigie. comme dans Fallen Eagle, tu vois, le fait que tu peux faire des statues maintenant, quoi. Mais c'est beaucoup trop cher. C'est trop cher, mais qui peut acheter une statue? Même en pierre, ça coûte une blinde. Mais en pierre, en étant en empire, j'ai pas réussi. Oh merde, ah oui, à ce point-là, quoi. Ah, j'ai jamais réussi, pourtant j'ai tenté des parties entières pour avoir ça, mais... Faut que j'attende des années, à piller, 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 piller. Même là, en étant en pierre, là, maintenant, j'ai pas assez d'or pour créer une statue, en pierre. Alors, en or, je te parle pas. Hein. C'est autre chose. En fait, pour vraiment être l'empire byzantin et avoir réussi sa vie, quoi. C'est l'empire byzantin, romain, tout ce que tu veux, avec toutes les mines d'or ever du jeu. C'est ça. Ah, oh mon dieu, l'héritage. Les Carluco-Mongols. Une nouvelle culture du coup qui vient d'arriver. C'est sympa, peut-être me convertir, ça peut être sympa. Non, on va pas commencer avec des trucs bizarres là. L'événement expira. Quoi? L'événement qui a expiré. C'est mon héritier du genre. Bah, humble, c'est bien. Tengriste ancien, t'acceptera pas de la conversion, bon. Qu'est-ce que tu fais toi? Accorder l'audience, oui, vas-y, je vais accorder l'audience, hein, j'ai que ça à faire. N'ayez crainte, je n'ai vraiment moi-même. Je vais interroger le grand chef. Grand rassemblement, voilà, tout va bien. Voilà, c'était super. C'était trop bien. Voilà, comme ça je me fais pas. Oh non, mon personnage est malade. Attends, quelle générosité. Mon goûteur, ah, c'est vrai, par exemple. Et ouais, c'est le goûteur. C'est parce qu'il te manque le goûteur. Ah si, il est là, mon goûteur, mais... Ah, il est mort, le goûteur. Ah bah voilà. Bon bah tu sais pourquoi, maintenant. Il est où? Je veux un autre goûteur. Il est excellent. Je sais pas comment il peut faire pour être excellent en tant que goûteur, mais bon, pas grave. Bah, il a des papilles gustatives très... Très développé. Attends, pause. J'ai hâte de prendre 12 comtés. Voilà. On va négocier ça. Ah, toi, t'as un tengriste. Bah tiens, bah parfait. C'est toi qui vas gérer la partie administrative de ces territoires. Je compte sur toi. Voilà. Tout ça, c'est à toi maintenant. L'Émirat, ça c'est un pays, ça? Non, c'est pas un pays. Le royaume d'Arménie, je peux créer le titre. Voilà, je suis roi d'Arménie. Voilà. Parfait. Ah, mince, lecture. Et je suis à côté de l'Empire byzantin. Ouh. Intéressant, intéressant. Envahir le royaume de Pontus, d'Anatole. Oh, d'Anatole, ça serait rigolo. De Pontus aussi, hein, quand même. À l'Empire byzantin, tu peux attaquer. Non? Oui, je peux. C'est quoi ce mariage? Attends, deux secondes. Tu veux attaquer avant moi ou après? C'est quoi ce mariage? Ma fille contre un goûteur. Contre un goûteur. Ok. Tu t'as rendu ta fille contre un goûteur? Bah, contre ton goûteur, j'ai l'impression. C'est mon fils, mon goûteur. Ah, d'accord, toi, tu fais ça. Okay. C'est marqué qu'il est excellent. Oui, mais oui, mais c'est ton fils, quand même. Imagine, il bouffe des trucs empoisonnés. Qu'est-ce que tu Ok, d'accord, on va changer de goûteur, alors. Mais il est faible. ou c'est affreux. Ah ouais, super. Ok, bah genre un goûteur nul, bah donc. Mon fils, de toute façon... Et on est à 44 minutes. Oh, et en plus, voilà, on est à 44 minutes de l'épisode et mon fils goûteur, il va mourir. Voilà. Et bah voilà, bah oui, et puis du coup t'auras plus d'héritier. Et moi coup, avec. Voilà, et t'auras plus de toi non plus. Voilà, ça c'est. C'est marrant, on a le même âge. T'as 38 ans, j'ai 38 ans, tu vois. C'est fou, hein. C'est bien, quoi.
quand le monde est Allez, bien comment on fait. se ressemble, hein? Bon, merci à vous d'avoir regardé l'épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour ceux qui ont regardé juste à la fin de l'épisode, pour laisser un commentaire, voilà, pour dire ce que vous en avez pensé. On se voit très bientôt pour de nouvelles aventures avec Kyo, avec le Let's Play, le Mongolie Empire ou les steppes du Nord, si vous préférez. À bientôt. Des bisous à vous, à la prochaine. Ciao!